vous êtes connecté, c'est que vous avez résisté au Covid-19. La fin fait partie du voyage. Après la Chine, l'Italie, tous les gouvernements ont décidé de confiner leur population. Le coronavirus pourrait anéantir 60% de la population avec la stratégie de l'immunité collective. Certains ont déjà perdu des amis, de la famille et une partie de nous-mêmes. C'est un nouveau combat. Oh,
On n'est pas des super-héros, mais par contre on est une super famille et on pense à tous les personnels soignants. Depuis le début du confinement, il y a maintenant 5 semaines, oui, c'est court et c'est long, un mot revient tous les jours, merci. Petit par sa taille, mais immense par sa signification. On le dit, on l'écrit sur les réseaux sociaux et sur des affiches aux fenêtres ou aux balcons des appartements ou maisons. On l'exprime en applaudissant à 20h le soir venu. Merci. En cette période de sidération, d'angoisse et de tristesse, ces 5 lettres émeuvent ceux qui les envoient et ceux qui les reçoivent. Les destinataires de ces merci, excepté ceux qui font partie de notre cercle familial ou d'amis, on ne les connaît pas personnellement, on les devine simplement. Une silhouette protégée par des gants, par un masque sur le visage, par une charlotte sur la tête et une longue blouse blanche. On arrive à surprendre leur regard par la caméra d'une télévision ou l'appareil d'un photographe. On les voit soulever un patient, remonter un drap, remettre un oreiller, surveiller derrière une vitre la vie suspendue à un respirateur artificiel. On les voit transférer des patients dans les airs, par hélicoptère ou par les rails d'un TGV. On les écoute à la radio nous dire de faire bien attention, que l'on doit rester chez soi, que l'on doit se laver les mains. Rester chez soi, oui, mais pas pour tout le monde. Il y en a pour qui le rester confiné n'est pas le quotidien. Ils travaillaient dans l'ombre et on les perçoit à présent comme nos autres super-héros. Les employés des supermarchés ont depuis le confinement une toute autre allure. Derrière la caisse, devant les rayons, ils travaillent tels des soldats pour la nation. On les a gantés, masqués, protégés derrière des plexiglas pour continuer à nous servir. Les éboueurs aussi observent depuis peu un regain d'attention de la population. On leur écrit « Merci » sur nos poubelles. Les policiers, les pompiers, si souvent décriés ces derniers mois, sont là aussi pour nous. Ils nous préservent de sortir et sont là pour que le confinement soit respecté. Oui, le confinement, comme seule arme contre cet ennemi invisible. Une arme aussi simple, mais tellement importante. On reste chez soi pour se protéger et pour protéger les autres. La cohésion de tout un peuple pour faire face. Qui dit confinement, dit aussi déconfinement. Mais ça, ce sera pour plus tard. Plus tard, c'est l'après. L'après qu'on espère bientôt, mais qui semble encore loin.
Loin. Dans combien de temps? On ne sait pas. On se dit qu'il faut faire confiance, qu'on est entre de bonnes mains, que tout ça c'est pour notre bien et que l'après sera encore plus beau. On se met à rêver de prendre un train, un avion, une voiture pour aller voir la mer. On se met à rêver de revoir les amis, de rire avec eux, parce que le téléphone, ce n'est pas aussi bon que d'avoir les copains tout près. Mais il y a une chose qu'on sait, l'après aura bien lieu. Et rien que pour cet après, l'espoir coule dans nos veines. Et on aurait presque envie de porter du vert tous les jours. Le vert, couleur de l'espoir et du retour des jours heureux. Finalement, en pensant à notre vie d'avant, on se dit qu'elle était plutôt chouette et qu'on était un peu bête de se plaindre pour un oui ou pour un non. Ce satané virus aura au moins eu l'avantage de nous remettre les pendules à l'heure et de nous poser pour réfléchir.